Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et je chie avec mon micro. Non, c'est bon. Hop, c'est bon, on est bon. Bon, bienvenue dans cet épisode de Starbound V4, please, Giraffe, chers amis, toujours dans la décoration du vaisseau. Comme vous voyez, j'ai viré plein de choses qui ne plaît pas à notre petit mouton Novakid. Donc j'ai viré plein de choses, j'ai fait du rangement, vous voyez. J'ai fait du rangement, c'est-à-dire que par exemple là, j'ai mis tous les cubes. Là, vous allez voir, j'ai mis tout ça, ici tout ça, ici, voilà, là rien, par contre ici j'ai mis ça. Pareil là-haut, dans la poubelle, j'ai mis la viande. Il y a même ça subliminal à comprendre là-dedans. Hop, ici les graines, ici donc la bouffe, ici encore des graines. Ça c'est une graine, hein, faut y penser. C'est à peu près tout ce que j'ai fait. Je réfléchis, chers amis, j'ai dû mettre aussi quelque chose ici. Voilà, les petits trucs importants ici. Et je sais que, voilà, ici j'ai mis aussi les différents liquides qu'on a pu trouver. Et puis c'est tout, chers amis. Donc nous arrivons donc au presque dernier endroit. Et ici donc j'ai quelque chose à mettre. J'ai par exemple ceci à mettre ici. Alors j'ai mal mis forcément. Cet épisode commence énormément bien. Voilà, et la raffinerie. Et bien sûr, pour pouvoir alimenter tout ça, il me faudra des coffres. Alors là, en coffre, à vrai dire, je ne sais pas du tout quoi mettre. C'est pour ça que je me suis dit, comme on n'a rien ici. Vous voyez, on n'a même pas une fenêtre, je crois. Et si on a une fenêtre? Ah, c'est presque dommage. C'est presque dommage. Eh ben, tant pis, je vais recouvrir la fenêtre. Blasphème. Et je pensais me mettre un locker, vous savez les fameux lockers de comment de race. Locker, vous voyez, on va les trouver je pense. Alors non, c'est pas ça. Je sais pas du tout du coup, alors attendez, je vais aller quand même aller voir. 3D print. Locker, je les trouve pas. Apparemment non. Bon. Alors je me rappelle plus si ça s'appelle des lockers ou autre chose, apparemment ça s'appelle autrement. Le problème c'est que je me rappelle pas les avoir vus. Alors que normalement ils sont là. Peut-être qu'ils sont pas là-dedans, qu'ils sont plutôt dans le... Dans le ici. Locker. Voilà, storage. Donc j'ai celui-là qui est moche, celui-là qui pourrait pas être trop mal. Celui-là, celui-là. Celui-là aussi qui est pas trop mal non plus. Et le mien normalement est censé être celui-là. Je pense plutôt mettre... Oh, quoique... Quoique le... Ah non, c'est bien ce que j'ai à dire. Le wagon est vert, mais oui, mais non. Hop, voilà. Le wagon est vert, mais celui-là est rouge. Donc peut-être plus celui-là ou celui-là. Je vais prendre les deux, c'est pas grave. Hop, parce qu'ils m'ont fait trop au total. Donc j'ai le choix. Soit je peux mettre celui-ci. Qui rend pas si mal et qui s'ouvre de manière comme ça, d'accord. Pourquoi pas. Soit je peux mettre celui-ci. Hop, qui s'ouvre comment? Comme ça, d'accord, pourquoi pas. Soit je peux mettre celui-ci. Qui s'ouvre de manière pas classique non plus. Je partirai plutôt sur le rouge, je dirais. Hop, voilà. Ce qui me permettra en fait de ranger les différents matériaux par exemple que je vais mettre à raffiner ici. Les surplus des autres en fait je peux les mettre ici. Et le surplus plutôt que de devoir aller le ranger ici, je le mettrai là aussi. On a des lumières ici, j'aimerais juste mettre quelque chose ici. Et je pense que ce sera tout simplement, chose d'extrêmement simple, un danger, mais il rentre pas. Dommage. Ah, c'est vraiment dommage. Vraiment, 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 vraiment dommage. Mince, 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 mince. Est-ce que par exemple je pourrais mettre ceci? Non, il passe pas non plus. Mince, de chez mince, de chez mince, de chez mince, de chez mince. Là-dedans, normalement j'ai des coffres avec des choses que je ne pouvais pas placer ailleurs, donc que je ne pouvais pas remettre. Ah voilà, est-ce que ça passe par exemple? Est-ce que ça passe ou est-ce que c'est trop gros? C'est trop gros. Mince. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? 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 Ici, bah pas grand-chose. Un caca, non, on va pas le poser dessus.
Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Panel. Glass panel, d'accord. Rect panel. Pourquoi pas? Ok, c'est très bizarre. Ou alors je peux simplement mettre ça. Oui, ça passe. Pour moi, ça passe. Par contre, je ne mettrai pas collé, parce que sinon ça fait trop de choses collées au mur. Je le mettrais bien un peu plus centré, peut-être d'une case ou deux, je sais pas. Une case. Ouais, comme ça en plus quand on ouvre la porte avec les charnières, ça ouvrirait là. Techniquement. Mais ça fait comme un petit rayon au milieu, donc c'est casse-couille. Donc je vais pas le faire comme ça. Je vais le faire plutôt comme ça. Voilà. Là c'est mieux. Comme ça, il y a la place en fait de chaque côté pour ouvrir entièrement. Bon. Ce problème-là est plus ou moins réglé, même si je suis pas très très fan de comment je l'ai fait. On verra bien. Alors, ici, on a du bois à mettre, chers amis. Ça va être violent. Alors, déjà, commençons par ça. Hop, 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 hop. Hop, hop. Ah bon? Voilà, je préfère. Hop, hop. J'aimerais virer ça pendant un certain temps, mais ça va être casse-couille. Vous voyez, vous comprenez maintenant pourquoi. Je vais les mettre là, tiens. Ça va être parfait. Hop, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que j'ai la place? Est-ce que j'ai la place? J'ai la place ici. Je ne l'aurai pas ailleurs. Ben, en attendant, je mettrai ça dedans, c'est pas grave. Alors. Hop, je vide tout ça. J'hésitais à le faire, à vrai dire, chers amis. Je me suis dit, bon, je vais passer de toute façon à des containers, donc ça devrait peut-être passer, mais au final, non, vous voyez, ça passe pas. Alors. Tout ça, ce sont des objets que je n'ai pas réussi à mettre dans l'imprimante 3D, en fait. Il y a quand même une bonne capacité de stockage là-dedans, donc je gagne de la place. Enfin, je ne suis pas en train de remplir stupidement tous mes endroits. Donc ça, c'est bon. Hop. 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 À ceci près que là. Hop. Voilà. Ce que je pourrais faire d'ailleurs, c'est commencer par là. Hop. Parfait. Alors c'est intentionnel, le fait que je ne mette pas ce qu'il faut en place, c'est intentionnel. Hop. Hop. Voilà. Parfait. Je peux donc compter sur une certaine symétrie. Hop, hop, je vais quand même resoomer un petit coup parce que pour moi c'est oppressant. C'est-à-dire que je suis obligé de faire des trucs très très près pour en espérant que je me plante pas comme là par exemple. Vous voyez? Hop. Et enfin celui-là. Pensez à mettre dans les fenêtres ces petits trucs-là, on avait oublié de les mettre précédemment, donc je les ai remis. Hop. Ce qui me permet maintenant de bourrer le bois. Hop. Voici pour ce premier étage. Enfin, pour ce premier rez-de-chaussée, ce rez-de-chaussée entre guillemets. Hop. J'ai quand même. Ça m'énerve.
Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on continue? Ben, on va remettre encore une fois tout ce bois. Ok. 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 Jusque-là, on est bon. Là, ça se passe très bien aussi. Parfait. Bon, maintenant, deuxième étage. 1, 2 et 1. Hop. Non. Et voilà. Crac. Voilà. Et c'est parfait qu'il reste un truc en haut. C'est vraiment parfait. Ok, on est bon. Bon. Ça se passe plutôt bien. On est au dernier déjà avec wagon, donc ça avance assez bien. Il y a eu autant d'épisodes que j'espérais dessus, à vrai dire. Je voulais vraiment le faire avec vous. Ça change. Moi, ça me permet de me reposer après tous les différents épisodes de farm qu'on a fait sur. De farm inefficace d'ailleurs qu'on a fait sur les planètes radioactives. Permet de changer un petit peu de choses. Alors je vous rappelle que le serveur est en ligne, qu'il faut bien lire les instructions, parce que chaque jour je vois des gens qui me harcèlent sur Steam, pardon, pas sur TS, sur les commentaires pour me dire que le serveur soi-disant n'est pas fonctionnel, alors que je suis désolé, il est fonctionnel. Faut simplement bien lire. Hop, alors de ce côté-là, on est plutôt bon. Alors. Hop. 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 Et hop. Voilà. Ça, c'est plus ou moins ce que je voulais déjà faire. Ici. Hop. Ensuite. Ceci. Crac. Ensuite, cela. Voilà. Alors, ensuite, il va me falloir de la glace. Enfin, du glace. Et forcément, c'est un cube que je n'aurai pas. Glace. Glace panel. C'est pas ce que je veux du tout. Alors, bloc. Bloc. Ok, le jeu est en train de me dire d'aller me faire enculer, c'est cool. Je crois qu'ici je peux en avoir de toute façon. Glass block, voilà. Ou alors je prends. Bah ouais, on va plutôt prendre ça en fait. Enfin bon, vous verrez bien. Voilà, ça c'est plutôt bon. On peut avancer un petit peu.
Cela me semble parfait. Quoique, non, ça n'est pas parfait du tout. C'est raté. C'est pas pareil. Pour pallier à tout problème, je vais déjà mettre le plancher ici. Hop. Ce qui veut dire que je peux peut-être commencer mon escalier à partir d'ici. Non, même pas. Alors, j'aimerais juste avoir la place pour quelques petites choses. C'est vraiment du pur RP. Et je chie dans la colle au niveau de mon escalier, mais c'est pas grave. Voilà. Ok. Ok, bon, c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais, mais c'est plutôt ça. C'est encore ça. Voilà. Maintenant. Je m'en doutais que j'allais pas l'avoir. Bon. Alors, j'avais pris justement ceci. Non, c'est pas la. Ah merde, c'est pas la bonne. Pa pa pa. Pa 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 pa. Pa pa pa. Pa pa pa. C'est vrai qu'elles sont pas très très différentes visuellement au niveau du. Hop. Ou alors je peux peut-être la mettre carrément en bas. Oui, ça marche, ça passe. Cool. Cool. Alors au niveau des lumières, toujours on garde le même principe. Ah mince, je vais la mettre là. Et elle a cette gueule bizarre forcément. Ah, ça me plaît pas ça. Ça ne me plaît pas du tout. J'ai l'impression d'avoir fait la même chose, mais c'est pas grave. Refaisons le test. Non, c'est bon, c'est différent. Hop. Bah, c'est mieux comme ça. Ok. Et donc, sur ces skyrails. Rail, voilà. D'accord. Switcher, c'est quoi? Give priority to higher rails. D'accord, ok. Ok, je vois. Je vois à quoi ça sert. Maybe you can grind along it. Attendez, je suis curieux là. Là, c'est de la pure curiosité, chers amis. Bon, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Console. Alors moi j'aimerais celle de l'outpost. Merci. Ce sera plutôt celle-là, je pense. Ce sera un des rares trucs high-tech qu'on aura dans le vaisseau. Hop. Maintenant, on peut toujours chercher outpost. Voilà. Parce que c'est là-dedans qu'on va trouver ce qu'on cherche. Déjà ça. Va me falloir ça. Va me falloir ça. Et va me falloir ça.
Là. Ok. Et enfin, ceci. Parfait. Là, c'est pas trop mal. Alors, juste pour rester dans le style, je reste avec mes lampes normales, mes lampes classiques, entre guillemets, qui me semblent être mises un poil trop haut d'ailleurs. Voilà. Maintenant, on retourne sur le truc à rail. Je vais prendre du classique. Du rail, tout ce qu'il y a de plus classique. Hop. Et maintenant, on y va. Alors. Ok. Attends, la question est la suivante. Est-ce que par exemple je peux poser quelque chose sur ce rail? Merde, je sais pas ce qu'il faut au niveau hauteur. Fait chier, il me manque un rang de hauteur. Bon, est-ce que ça répond à ma question par contre? Oui, ça marche! Génial! Absolument génial. Par contre, ça va être casse-couille. Je vais donc être obligé de mettre des cubes à la con. Voilà. Danger, est-ce que je peux pas avoir le Danger Cube là? Justement. La remarque, j'en ai peut-être un ou deux blocs comme ça. Alors, non. 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 Oui. Alors. Allons-y. Mettons le fameux Danger Cube. Il est volontairement aussi gros, hein. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Voilà. Normalement, je peux continuer à mettre cela. Espérant que j'ai la longueur qu'il faut. Parfait. Non! Je crois qu'il m'en manque juste un. Ah non, je peux pas le faire complètement. Il fait combien de longueur? 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah c'est cool, en fait il suffit que j'en enlève un de chaque côté. Il va falloir que je les replace tous, ça c'est casse-couille. Hop. Non! Mon Skyrail! Hop. Crac! Faut que je reprenne un. Merci. Je l'ai raté! Voilà. Et donc ça me fait penser que je devrais peut-être mettre ça ailleurs. Pour pouvoir mettre un horizontal ou deux. Voilà. Et donc ça, je le mets juste à côté, justement. Hop.
Voilà. Ça, c'est pas trop moche. Est-ce que du coup, vous pensez que je peux en mettre là? Non. Là, il n'y a pas d'intérêt à en mettre là. Hop. Ok. On n'est pas trop mauvais. Moi, je peux la mettre là. Voilà, parfait. Bon, et c'est là. Que tout le RP disparaît. On a fait un truc en bois jusque là. Oh, quoique, ça rend pas si moche. Hop. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Ah oui, j'aime beaucoup mes petites... Oh, ça marchera pas ici. Bon, c'est pas grave. D'accord. Maintenant, il faudrait de la lumière, il faudrait un spot. Spot. Est-ce qu'il va vouloir le placer correctement ou pas? Il va pas vouloir. Forcément, ça m'étonne qu'à moitié de toute façon. Let me 3D print. Oui, c'est ça. Alors, les lumières. Déjà ça. J'espère que je suis pas passé à côté. Voilà, c'était ceux-là qui m'intéressaient le plus. Bah, c'est pas le même. Non, c'est pas le même. Bon, bah tant mieux. Hop. Alors, j'ai le choix entre celui-ci qui marche pas, le tout petit là. Qui n'est pas si petit, si qui est petit en fait. Ou normalement le tout gros ici. Voilà, ça marche déjà beaucoup mieux. Hop, est-ce que je peux les flouder ceux-là? Hop, parfait. C'est pas trop mal. Alors maintenant, l'objectif ce serait maintenant de réussir à faire ça, chers amis. Hop, voilà. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a un manque de lumière ici. Quoique non, ça éclaire juste ce qu'il faut. Non, ça éclaire juste ce qu'il faut. C'est parfait. Alors, maintenant qu'on a plus ou moins fait ça, parce que là de toute façon on peut pas se permettre de mettre autre chose parce qu'on peut. C'est toujours une zone de container. Sauf si je fais. Ouais tiens, je vais faire ça, chers amis, vous allez comprendre. Hazard block, parfait. Hop. Voilà. Parfait. Et donc ça, en fait, ce sera la hauteur maximale. La hauteur maximale de cargo que l'on peut se permettre d'emporter. Donc voilà. Ensuite, dans les différents objets de mining, je pense qu'on peut trouver des choses intéressantes. Mining. Voilà. Ça, c'est pas trop mal. Si on peut par exemple ajouter un ou deux tapis. Voilà. On peut même en rajouter qu'un et on le centre un petit peu, ce serait peut-être pas plus mal en plus. Non, ça fait pas. Ça va pas avec. Quelque chose qui va pas. Ici, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Rien, pas vraiment.
J'ai pas un panneau stop ou un truc comme ça, stop sign, un truc comme ça. Autodrive. Sign, qu'est-ce que j'ai comme sign? On va bien voir. Red alert, ça faudra que j'en prenne plein, donc je les prends déjà tout de suite. Do not enter. Ok, non. Cross arrow sign, pourquoi pas. Ah oui, jamais de ça depuis le temps que je voulais le mettre. Ça aussi, il m'en faudra quelques-uns. Bon, déjà ça, c'est bon. Si. Security. Camera. Ça, il m'en faut. Voilà, j'ai l'impression qu'elle éclaire rien. Ah, qu'elle fait rien, pardon. Pas la mettre là. C'est sûrement parce qu'il y a ça en fait. Je vais le supprimer, c'est pas grave. Pourquoi elle veut pas? Pourquoi elle veut pas marcher la caméra? Là elle marche. Bon, pourquoi pas. Hop. Elles sont pas assez hautes, ça marche pas, ça rend pas. Pour les caméras, on oubliera, c'est pas grave. Je voulais rendre la chose bien, j'ai peut-être raté certaines choses, hein, faut le dire. Voilà, fallait le mettre. Direction par là. Et les différents exits, ils sont où? Ils sont gros. En plus, voilà quoi, c'est un. Oh, je sais pas. Je vais le garder là, c'est pas grave. Bon! Eh ben, on a plus ou moins terminé, chers amis. On a plus ou moins terminé. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, mettre tout le petit truc qui pourrait suivre derrière, vous allez voir. Tout ce qui est en fait. Wiring. En grande quantité. Donc par exemple, il va même falloir motion detector. Non, c'est pas ce que je voudrais. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? De toute façon, faut que j'enlève le slash admin déjà. Hop. Pour avoir accès au nom de ce qui m'intéresse. Alors. Light sensor, liquid sensor, proximity scanner. C'est ça qui m'intéresserait déjà pour commencer. Je regarde s'il n'y a pas des nouveautés qui sont arrivées. Non. Bon. Slash admin. On va y aller. Proxy. Là, voilà, ça commence bien. Proximity sensor. Scanner, pardon. Hop, on va prendre 939, c'est pas grave. Et nous, on va se laisser là pour le prochain épisode, les amis. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous en remercie d'avoir été aussi fidèle à cette série. Elle continuera encore pendant longtemps, je l'espère. En tout cas, jusqu'à la prochaine mise à jour. Suivant la qualité et la quantité de mise à jour qu'il y aura, il y aura peut-être une autre race à faire. On verra bien. Donc, quant à moi, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à cliquer donc dans le groupe Steam sur. Enfin, j'en chie, j'arrive pas à faire ce trop. Je vous invite à rejoindre le groupe Steam, à rejoindre le serveur, donc avec toutes les indications écrites dans le groupe Steam, pour pouvoir donc participer à des aventures prochainement. Une fois que j'ai fini ça, normalement, j'aurais pas tardé à arriver sur le serveur, une fois que j'ai fini le Vanilla. Et ensuite, on verra ce qu'on fera dessus. Donc, voilà, les amis, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.